Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grand-mères les koalas qui font Koh-Lanta. Les amis, sujet de la vidéo, je voulais vous parler du classement des personnalités préférées des Français. Mais ce classement, il vient d'où? Il l'invente, c'est pas possible. On n'est pas dans la même France. Voilà qu'on n'est pas dans la même France, les amis. Regardez, quand je vois, il y a qui en numéro 1? Jean-Jacques Goldman. Oh, sur la vie de ma mère, Goldman. Après Superman, après Batman, il y a Goldman. C'est Monsieur God. Oh là, le mec, il se transforme en God à minuit. Non, je rigole, les amis. Mais en numéro 1, il y a Jean-Jacques Goldman. Moi, j'ai rien contre la variété française. Je suis le premier. J'aime bien Nolwenn Leroy, j'aime bien Renaud, j'aime bien la variété française. Mais quand les mecs comme Jean-Jacques Goldman, ils se barrent, ils s'installent à Londres, oh là, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vos grand-mères, les hommes de l'ombre, qui habitent à Londres, je ne suis pas d'accord. Le mec va s'installer à Londres, je comprends pas. Les Français, ils sont là, ils votent pour toi. Ils te mettent numéro 1 des personnalités préférées des Français et ton pognon, tu le donnes au fisc anglais. Je ne suis pas d'accord, les amis. On n'est pas dans la même France. Je dis TR, oh là, quand on voit que les grands nom français se casse, je suis désolé. Moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce classement. Après, il y a qui, frère? Yannick Noah. Pendant longtemps, Yannick Noah, le mec, soi-disant la légende, le mec qui se balade pieds nus. Ouais, c'est facile de se balader pieds nus quand t'as 1 milliard dans le compte. Moi aussi, frère, mets-moi 1 milliard. Wallah, je me balade en slip dehors comme un clochard. Le mec fait le mec, ouais, j'aime bien la savane. J'aime ta grand-mère, la savane, qui met des cravates. Oh, t'es hors sujet, celle-là. Mais voilà, Yannick Noah, je suis désolé, le mec pieds nus, il est là, il nous fait le Tarzan, alors que le mec, c'est un blindé. Son fils, il est basketteur et il habite à Los Angeles. Donc faut arrêter. Avant, le classement, il était respecté en France. Quand t'avais numéro 1, l'abbé Pierre, ta grand-mère le lance-pierre, voilà. Lui, je kiffe. Lui, voilà, quelqu'un qui avait un mental, quelqu'un qui avait du cœur, quelqu'un qui a fait quelque chose pour la France. Coluche, il en est mort. Il en est mort à défendre la France et la valeur des Français. Mais c'est qui ces gens-là? La vérité, c'est qui ces gens-là? Numéro 1, personnalité préférée des Français, il se casse à l'étranger. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce putain de sondage. Mais à qui vont le faire ce sondage? Voilà. Vous se demandez, ils vont dans des villages en Auvergne. Et là-bas, ils interrogent des vieux de 98 ans. Alors, vous allez voter pour qui? C'est pour ça que tous les sondages à l'heure d'aujourd'hui, ils se plantent, les amis. Vos grand-mères des plantations qui vont à la récréation. Donc voilà. Moi, le classement, je suis pas d'accord. Je l'ai sous les yeux, les amis. Il y a qui? Oh, Sophie Marceau, faut arrêter. Elle a pas fait de film depuis la boum. Voilà. Sa grand-mère, la boum qui... Sa grand-mère, le boomerang. Voilà, au moins c'est clair. Sur la vie de ma mère, Sophie Marceau, depuis la boom 1, la boom 2, elle a plus rien fait. Je l'aime trop, elle est trop jolie. C'est vrai qu'elle est dans le patrimoine français. Sophie Marceau, je te kiffe, y a pas de souci. Mais tu fais plus rien. Pourquoi on te kiffe? Pourquoi fini ça? C'est fini. Y a qui encore? Jean Reno, oui, c'est de la bombe. Voilà, et depuis qu'il a fait Léon, lui, je peux rien dire. Michel qui? Michel Simès, c'est qui ce mec, ta grand-mère? Mais c'est qui Michel Simès, ta grand-mère le Michelin? C'est qui ce type? Je ne le connais pas. On ne connaît même pas. Le mec, il est 3, numéro 4, Michel Simès. Vous le connaissez, vous? La vie de ma mère, c'est qui Simès? Si... Je sais pas, la vie de ma mère, c'est sa grand-mère, c'est un cimetière. Voilà, c'est qui ce mec, je le connais pas. Antoine Griezmann, je comprends, les amis. Antoine Griezmann, c'est mon chouchou, je l'aime trop dans le monde sportif. Mais il ne faut pas oublier qu'il a dit, je me sens plus espagnol que français. Ce qui me dérange en France, c'est la mentalité française. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pourquoi, sur qui les Français votent? Voilà, c'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Venez à Marseille et faites un sondage. Voilà. Déjà, en numéro 1, t'auras Jules. Numéro 2, t'auras Bengouz. Il est où Bengouz? Je le vois pas dans le classement. Jules, il est où? Je le vois pas. Alors que c'est eux qu'on connaît, c'est eux qu'on voit tout le temps. Moi, je comprends pas. Sur la vie de ma mère, je comprends pas. Y a qui encore? Danny Boone. Mais le mec, c'est un ch'ti. Ça veut dire que le mec, sa grand-mère, c'est son grand-père en même temps. C'est un ch'ti là-bas sur la vie de ma mère. C'est des ch'timis. Oh, ce mec, il est là. Sa sœur, c'est sa meuf. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça les ch'tis, les amis. La vie de ma mère. Là-bas, il pleut. Y a pas de travail. C'est des violeurs. Et c'est pour ça. C'est des mecs comme ça qu'on retrouve dans le classement. Excusez-moi pour les clichés, les amis, mais c'est la vérité. Moi, les mecs comme ça qui font un film et qui font plus rien à vie, non, je suis désolé, non, c'est pas ça pour moi des héros français, ce n'est pas ça. Voilà, il n'y en a pas un qui va au front, il n'y en a pas un qui a un minimum d'idées politiques, il n'y en a pas un qui va loin dans son art, non, la vie de ma mère, il faut un peu de sous et voilà, et c'est connu, et on retrouve beaucoup de noms du cinéma, c'est beaucoup, et on critique souvent le monde du foot, il y a beaucoup d'argent, et dans le monde du cinéma, on en parle des cachets qu'ils prennent, est-ce qu'on en parle? La vie de ma mère, c'est grave. Oh, Nicolas Hulot, mais sa grand-mère le Hublot, oh là, Nicolas Hulot, encore une fois, Laurent Gérard, voilà, oh Laurent Gérard, il fait rire que ta grand-mère, il fait rire personne. Wallah, qui fait rire Déguin. Arrêtez avec... Je comprends pas, moi, sur la vie de ma mère. Le mec qui fait rire sa grand-mère et son grand-père, ça y est, personnalité préférée des Français. Non, personnalité préférée de ta grand-mère, c'est pas la même chose. Y'a qui? Didier Deschamps, le foutage de gueule. Wallah, viens dans mon quartier, viens faire un sondage. Wallah, mais vous êtes des fous. Y'a qui alors? Nagui, mais Nagui, ta grand-mère, le tanga qui regarde Nagui, mais Nagui, c'est du narguilé. Wallah, Nagui, lui qui présente mes amours, mais...
La vie de ma mère, là faut plus faire une émission Mes Amours, c'est plus d'actualité. Faudrait faire Mes Adultères, voilà, ça c'est des émissions qui marcheraient. Voilà, moi je trouve que les sondages à l'heure d'aujourd'hui, ils sont pas en accord avec la réalité. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, ils ne sont pas encore Nagui, faut arrêter les amis, sa grand-mère qu'elle a guigne. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment, nous prenez pas pour des cons. Ils sont où les stars qu'on connaît? Ils sont où les stars qu'on connaît, nos vrais héros, ils sont où? Je les vois pas dans le classement, je vois que des ringards. Excusez-moi, il y a qui encore? Teddy Riner, oui, Teddy Riner, il n'y a pas de souci, il est resté en France. Hein. Mylène Farmer, mais Mylène Farmer, c'est un club libertin à elle toute seule, sur la vie de ma mère. La meuf, elle est là, et à chaque fois qu'elle chantait une musique, on dirait qu'elle se faisait violer. Oui, d'accord, Mylène Farmer, t'es dans le patrimoine français toi aussi, mais je comprends pas pourquoi les Français te kiffent alors qu'elle donne aucun amour à personne. Ces gens-là donnent d'amour à personne. Ils donnent aucun interview, ils font jamais des séquences dédicaces, ils offrent jamais rien, ils ont aucune fondation, ils ont rien. Bon, faut m'expliquer, voilà, faut m'expliquer, il y a qui encore? Dujardin, ton grand-père la forêt qui s'appelle Dujardin. Dujardin, oui, d'accord, mais depuis qu'il a fait son buzz aux États-Unis, on le voit moins à l'écran en France, les amis. Quand on vous demande de voter pour les personnalités préférées des Français, c'est pas les personnalités préférées des demi-amis ou des Anglais, c'est des Français. Vous aimez qui? Pour vous, ces mecs-là, ils représentent la France. Dès qu'ils prennent un peu de sous, ils se